434 diplômes de docteur dans le périmètre donc, du collège doctoral. Ça montre l'importance de ce titre de docteur qui doit bien être appréhendé comme étant une compétence professionnelle. Et si je dis, c'est parce que certains d'entre vous vont certes embrasser demain une carrière universitaire, une carrière dans la recherche publique, mais le doctorat aussi forme, et le doctorat aussi a pour mission eh bien, d'irriguer les secteurs de l'économie privée. Vous voilà donc, docteur. Vous incarnez l'excellence. L'excellence qui est dispensée par ceux qui ont été vos directeurs et directrices de thèse, vos professeurs. L'excellence de l'Université de Montpellier qui fait la renommée de notre ville à travers le monde. Et vous incarnez l'excellence de la recherche. Réaliser une thèse, c'est une aventure difficile de longue haleine. Ça dure plusieurs années. C'est une aventure qui est fatigante, éprouvante. Ça représente vos premières armes dans le monde de la recherche. Et finalement, à la fin de cette formation, le doctorant maîtrise parfaitement sa thématique, sa discipline. Ça lui a occupé la majeure partie de ses nuits, de ses jours. Et à cause de ça, ou grâce à ça, il est devenu probablement l'un des meilleurs spécialistes de son sujet, de sa thématique de recherche. Vous avez réalisé cette thèse de doctorat qui doit traduire une capacité d'analyse, une capacité d'écriture, une capacité de synthèse. Le collège doctoral a un but. Un but, c'est d'offrir des formations transversales aux doctorants, mais également de fédérer. De fédérer avec la bannière Université de Montpellier le travail qui est conduit dans les différentes écoles doctorales et qui est conduit au sein des différents établissements. L'Université de Montpellier, certes, mais également Montpellier-Supagro, l'École de chimie, AgroParisTech, l'IMT et Mindalès. Et donc ce collège doctoral traduit également la visibilité aujourd'hui de l'ICITEMUS sur le site montpelliérain, sur la métropole de Montpellier. Je voudrais juste dire un mot. Sur la valeur symbolique de ce collège doctoral associé à l'Université de Montpellier et qui s'est construite sur les trois thèmes nourrir, soigner, protéger. Je trouve qu'on a là un ensemble qui est porteur d'espoir. On sait tous qu'on vit maintenant des changements, des accélérations qu'on va avoir beaucoup de mal à maîtriser. Il faut absolument limiter ces enjeux. Il faut s'adapter, il faut innover. Et là, c'est vraiment vous, les jeunes chercheurs, qui êtes conscients de ces challenges, qui avez creusé des pistes et qui pourraient apporter des solutions à notre société. Vous devenez nos ambassadeurs, l'ambassadeur de la ville de Montpellier, l'ambassadeur de l'Université de Montpellier et des établissements et des laboratoires. Et ça, maintenant, c'est, comme ça a été dit, à vous de transmettre et puis à vous, à travers votre rôle d'ambassadeur, de faire la promotion de la science et de la recherche, et en particulier à Montpellier. Les docteurs, à ce titre, ont une mission toute particulière. Pour moi, c'est presque une mission sacrée, un sacerdoce. Ils doivent travailler à rapprocher la science et la société, et à consolider la confiance que peuvent avoir les citoyens envers la science. C'est votre mission. C'est une immense aventure, la recherche, ceux qui la conduisent. C'est une aventure pour soi, naturellement, une grande fierté pour ceux qui vous ont accompagnés, une immense fierté pour l'université. Mais c'est une nécessité pour les gens comme moi et ceux que j'ai l'honneur de représenter. Il n'y a pas de civilisation prospère, il n'y a pas d'humanité qui va de l'avant s'il n'y a pas une recherche fondamentale. S'il n'y a pas une recherche appliquée, s'il n'y a pas des chercheurs et des chercheuses. Un grand remerciement à toutes celles et tous ceux qui vous ont accompagnés tout au long de ces années. Et je vous souhaite le meilleur. Le meilleur, certes, pour votre vie professionnelle, mais également le meilleur pour votre vie personnelle. Je vous remercie.